Mais aujourd'hui, on va parler des fonctions système de SQL Server. Alors, la première fonction, il retourne, alors si vous voulez retourner l'année d'une date, on fait select year et là, moi j'ai pris ici une date en brut, mais vous pouvez le prendre un champ de date. Il vous retourne un entier qui est l'année d'une date donnée. Ici, je fais selecteur de getDate. La fonction getDate, c'est la fonction qui retourne la date système. Il me retourne l'année. Il me retourne l'année courante. De la date courante. Ici, c'est un entier, c'est une fonction mount qui retourne un entier qui est le numéro du mois. Ici, il vous retourne un entier qui est le jour d'une date. Alors, là, parmi les fonctions aussi qui traitent les dates, ici, c'est la fonction dateAdd. C'est une fonction ici, selectDateAdd. Et là, le paramètre, ça c'est l'unité. Soit vous ajoutez par jour, par mois, ou par année, ou par semaine. Ici, c'est le nombre que vous voulez ajouter. Ici, la date à laquelle vous allez ajouter. Alors ici, si je fais select par exemple ici, je reviens sur ça. Si je sélectionne l'UR, si j'exécute, elle me retourne 2014. Si je fais sélectionner de getDate, il me retourne l'année de la date système. Si je fais le mois ici, le month, il me retourne le mois 12. Et si je fais sélectionner D, il me retourne le numéro du jour. Alors, si je fais add date, on est aujourd'hui le 22-12-2014. Si je lui ajoute un mois, normalement, on passe à 2015. Et là, si vous n'avez pas de souci par rapport au transfert, par rapport à l'ajout d'un mois et le passage d'une année à une autre, ici, il le fait tout seul. Regardez. Il ajoute un mois, il passe automatiquement au 22-1-2014. 2015. Ça pour ne pas. Alors là, il ajoute, ajoute un mois à la date. Ici, il ajoute un jour. Il va m'afficher le 23. Voilà. Là ici, là j'ai pris l'exemple par exemple de la date. 28. On est à la fin du mois, à la fin du mois 2. Et nous, on ne sait pas pour la date, est-ce que dans le mois 2, j'ai 28 ou 29 jours dans ce mois-là. Là, ça me règle le problème aussi. Si j'ajoute un jour par rapport à une date, il reconnaît la date, il reconnaît, il sait que sur combien de jours. Pour cette année, le mois 2, il en aura. Et là, vous n'avez pas de souci de calcul mental pour chercher est-ce que dans cette date-là, dans cette année-là, vous avez eu du 28 ou du 29 dans le mois 2. Là, il règle le problème tout seul. Regardez. Voilà, il me dit le 1-3. Alors, dans 2014, dans le mois 2, il n'y avait que 28 jours. Et si je suis en train d'ajouter un nom, ça veut dire qu'il va m'afficher le 28-2-2015. Voilà. Ici, il ajoute une semaine. En fait, la semaine pour lui, c'est 7 jours. Là, il me fait le 7-3-2007. Ça, tout ça pour que vous puissiez gérer vos. Ici, là, on avait parlé de ça. Il fait quoi cette fonction? Il ajoute, il converte, regardez,
Il convertit en date heure. Je lui ai donné une date ici. Il a converti une chaîne de caractères qui contient la date heure de l'instant où vous l'avez converti. Alors, ça, il retourne une chaîne de caractères. Là aussi, j'ai une petite fonction ici, par exemple. Cette fonction-là, select par exemple product ID, product name. Et ici, je lui dis si le troisième champ que je vais afficher, c'est le champ couleur. S'il trouve que c'est nul, s'il trouve que la couleur est nulle, il va m'afficher à la place, au lieu de m'afficher nul à la place. Alors cette façon, elle est très intéressante pour gérer les nuls, surtout dans certaines tables. Pour ne pas afficher nul. Je lui dis alors select product ID, product name, et là le troisième champ color, je lui fais, c'est comme si je lui fais une condition. Je lui dis is null, et là j'ouvre la parenthèse, je mets le champ, virgule, et la valeur qu'il doit afficher lorsque c'est nul. S'il trouve que le color est nul, il va m'afficher l'ID du produit, le nom du produit, la couleur. S'il y a une couleur, il va m'afficher la couleur. Si la couleur est nulle, il va m'afficher pas de couleur. Ici, c'est la différence de date. Alors, ici, je fais select date diff. Là, je lui donne l'unité avec laquelle il va me retourner. Ici, en jour. Entre la date initiale et la date finale. Si je fais comme ça, alors entre le 31-12 et le 22-12, il va me retourner quoi? Il va me retourner 9. Alors il m'a retourné 9 jours. Je peux faire la même chose. Regardez, je peux faire la même chose avec month. Il va me retourner en mois. Je vais voir quelle est la différence en mois, c'est laquelle. Il y a 0 mois, puisque je suis toujours dans le mois 12. Je peux faire la même chose ici en year. Bien, il me retourne ici en année, il me retourne ici en année 0, c'est-à-dire que je suis sur la même année. Alors je vais essayer de faire la même chose en week. Je vais voir s'il me retourne en week. Qu'il pose problème, je vais essayer de voir. Il me retourne que j'ai une semaine. Là, il minore, il ne majore pas. Je vais lui demander de me retourner en heure. En hour, comment il s'écrit? Hour, voilà. Il me retourne combien d'heures? J'espère qu'il va le faire. Oui, il me retourne en heures. Et je vais lui demander de me retourner en minutes. On va essayer en minutes. En minutes. Il me retourne combien de minutes j'ai entre la date système et cette date-là. Il me retourne en minutes. Je lui demande de me retourner en secondes. Je vais essayer. Là, oh. Là, il me retourne le date diff en secondes, il me retourne le nombre de secondes entre les deux dates, sachant que par exemple le 31-12-2014, il l'a pris comme 31-12-2014, 0 heure, 0 minute et 0 seconde. Ça, c'est pour la fonction date diff qui peut me retourner ce que je veux. Maintenant,
Et si j'ai une petite fonction que j'utilise, c'est le left. D'accord? Et ici, cette char index, c'est une fonction qui me retourne, qui cherche la position d'une chaîne de caractères dans une autre. C'est l'équivalent de index of dans la programmation .NET. Ici, qu'est-ce qui me retourne? Regardez, si je prends cette partie-là, et si je la mets dans Select, si je fais, je sélectionne ça et j'exécute, il me retourne la position 6. Pourquoi? Ici, c'est un espace, hein. Si je fais par exemple J, il me retourne quelle position? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va me retourner la position 7. Regardez, j'exécute. Et là, ici, vous voyez que j'ai la position 7. Alors, si vous voulez chercher une chaîne de caractères dans une autre, si je fais GA, par exemple, c'est GA ici, si je sélectionne, il va me retourner toujours la position 7 parce qu'il cherche la chaîne dans l'autre. Je vous donnerai le temps de noter. Alors, si cette position-là, si cette fonction-là, il me retourne la position d'une chaîne dans une autre. Cette fonction left, qu'est-ce que je lui dis? Tu m'affiches. La fonction left, j'ai la chaîne. Et là, j'ai la taille. La fonction left, je lui donne la chaîne. D'accord? Et je lui donne la taille. Regardez, si je fais une petite parenthèse ici, il me donne l'expression ici, number of shards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le nombre de caractères qu'il va retourner. La fonction left, vous lui donnez la chaîne dans laquelle, sur laquelle vous allez travailler, et vous lui donnez un nombre un nombre de caractères qu'il doit retourner. Cette fonction left. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit? Cette position, celui-là, il va me retourner la position de quoi? La position de l'espace. C'est-à-dire, il doit me retourner ça. La position de celle-là. C'est la position 6. Si je le fais ici comme ça, regardez, si je fais un espace, c'est ça, il va me retourner la position 6. Mais je lui ai dit moins 1, c'est-à-dire il me retourne 5 caractères. C'est-à-dire que ici, j'ai un nom, espace, prénom, il va me retourner seulement ça. D'accord? Alors le char index, il me retourne à la position d'une chaîne dans une autre. Et le left, j'ai deux paramètres. Alors ici, le char index, on avait dit que ça, c'est la chaîne recherchée. Et ici, c'est la chaîne dans laquelle je cherche. Et il me retourne, le char index, il me retourne la position de celle-là dans celle-là. Je l'ai utilisé ici. J'ai par exemple un problème. J'ai fait de l'import de données dans Excel et j'ai le nom prénom séparés avec un caractère, un espace par exemple, et qui sont dans le même champ. Et je voudrais les séparer. Je voudrais prendre le nom tout seul et le prénom tout seul. Mais je ne sais pas quelle est la longueur du nom et quelle est la longueur du prénom dans cette chaîne-là. Ce que je sais, c'est qu'ils sont séparés avec un séparateur, par exemple ici, l'espace. Qu'est-ce que je fais? Je vais lui dire, tu me retournes de gauche, ici, dans cette chaîne, ce nombre de caractères. Le nombre de caractères, finalement, c'est la position de l'espace moins 1. Parce que ici, c'est la position 6. Donc, il me retourne seulement 5 caractères. Si j'avais, par exemple, 10 espaces, ça doit me retourner, le char index, il doit me retourner 11 moins 1, ça me fait 10, et ça me retourne la chaîne du nom. Alors, si je voulais afficher aussi, ici c'est le prénom. Si je voulais afficher seulement le nom, qu'est-ce que je ferais? Alors je fais copier-coller. Alors je vais tester celle-là pour voir le résultat. J'exécute, il me retourne CM.
Maintenant, je veux qu'il me retourne harmonie. Je le mets ici. Regardez. Qu'est-ce que je lui dis? Logiquement, il doit me faire à partir du write. Bon, je l'ai, hein, je n'ai pas fait attention, je l'ai. Ici, c'est quoi? Je lui ai dit select. Si je fais comme ça, j'exécute, il me retourne en harmonie. Qu'est-ce que je lui ai dit? Au lieu du left, je lui ai dit de me lire de droite. D'accord? Ça, c'est la chaîne. Et là, ici, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, c'est la longueur, c'est la fonction len qui me retourne la longueur d'une chaîne. Len, moins char index de espace. Alors, il cherche le char index, il va me retourner ça, cette position, 6. La longueur moins 6, ça me retourne ça. Ça marche? Je lui ai dit, quelle taille il doit me retourner de droite à gauche? Le char index, il lit de gauche à droite. Ça ne m'arrange pas. Qu'est-ce que je lui ai dit? Tu me prends la taille de toute la chaîne moins le char index de l'espace. Ça me fait quoi? Ça me fait la taille moins 6. Automatiquement, il doit me lire de là à là. Ça marche? Maintenant, ici, je vais dire right. Ça, bon, ça, c'est une réflexion personnelle. Après, vous pouvez faire autre chose. Essentiel pour moi, la fonction len, il retourne la longueur d'une chaîne. Et le char index, il retourne la position, la première position du premier espace. De gauche à droite. Très bien. Alors, on a vu la fonction left et la fonction right, qui retourne une chaîne de caractère. Le cast. La fonction cast, regardez, si je prends ici getDate, c'est un date time. Lorsque je l'exécute, j'ai décembre 22 2014. Qu'est-ce qu'il m'a retourné? Il m'a retourné une date explicite en, j'ai fait 13 pour qu'il me donne jusqu'à l'année. Alors j'ai 1, 2, 3, espace, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Je vais donner plus qu'il nous faut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus 2 espaces, ça fait 11. Je lui donne 11 pour voir. Est-ce qu'il m'a retourné? J'espère qu'il ne va pas tronquer. Il m'a retourné la même chose. Alors, 11 suffit pour afficher une date correctement. Ça, c'est la fonction cast. Vous lui donnez un caractère ou un caractère variable, ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que il la transforme en chaîne de caractères. Ici, par exemple, datName, la fonction datName ici, il a un paramètre par quoi tu veux la retourner et la date avec laquelle tu veux travailler. Regardez, là, il me donne décembre, c'est-à-dire au lieu de lire la date. Au lieu de dire de me retourner 12, il me retourne décembre. La fonction est la suivante, select.name. Et là, tu lui dis en mois. Et par contre, ici, si je fais .name, là, je fais en day, ça ne change pas grand-chose. Il me retourne le chiffre. Et non pas le jour de la semaine. On aurait aimé qu'il me retourne le jour de la semaine, ce serait plus intéressant. Là, il me retourne le mois sous forme d'un entier. C'est la fonction datePart. Je vais dire month, et là, il me retourne le mois directement. DatePart, il me retourne le mois en chiffres. En entier. Alors ça, c'est toutes les fonctions que vous pouvez utiliser. Après,
à chaque fois, il faut savoir que ça existe, il faut savoir l'utiliser. Et puis à chaque fois que vous en avez besoin dans vos requêtes, vous pouvez les utiliser. Il y a la fonction day qui me retourne le jour. La fonction month de date, d'une date qui me retourne le mois. Ça, c'est la fonction ltrim. Alors, des fois, vous avez des données avec des espaces à droite et des espaces à gauche. Et ça nuit votre recherche. Vous avez, par exemple, espace Samir, par exemple, et vous faites S, la recherche ne retourne pas grand-chose. Vous travaillez avec un like. Alors, si vous voulez que l'espace ne sera pas pris en considération dans vos recherches, que ce soit à gauche ou à droite, vous pouvez l'enlever. Alors ici, par exemple, espace Samir, c'est la fonction ltrim, c'est left trim, elle enlève l'espace à gauche. La fonction rtrim, elle enlève l'espace à droite. Alors regardez, si je fais select ltrim de espace Samir espace, il me retourne Samir espace. Hein? Voilà, il y a un espace ici. Ici, il me retourne Samir avec l'espace à gauche, mais il enlève l'espace à droite. Si je veux enlever les deux espaces, à droite et à gauche, je peux faire R' de L' ou L' de R', c'est la même chose. Il enlève le L', il va enlever, je n'aurai que ça. Et puis celui-là va enlever l'espace et je n'aurai que ça. Dans les langages de programmation, il y a la fonction trim qui enlève les deux en même temps. Mais en SQL, il y a le L' et le R', et là, j'enlève l'espace à droite et à gauche. Cette fonction-là, replicate, bon, moi, je n'ai jamais eu besoin, mais bon, il faut le faire. Là, il réplique, regardez, il réplique Samir trois fois. Il me l'écrit trois fois. Si je lui donne 2, replicate de ce champ-là. Moi, j'ai pris, dans mon exemple, j'ai pris des valeurs. Mais normalement, vous travaillez des champs. Là, il me l'écrit 2 fois, replicate. Si vous voulez, par exemple, afficher quelque chose en majuscule. Par exemple, je fais Samir en majuscule. Lorsque je sélectionne, upper, la fonction upper, elle reproduit la fonction upper, il m'affiche Samir en majuscule. D'accord? Par exemple, les noms des personnes, ils sont saisis n'importe comment, et vous voulez les afficher, vous les affichez en majuscule, vous les sélectionnez avec upper. La fonction lower, elle fait en minuscule, par exemple, si je fais select lower, regardez, il m'écrit en minuscule. Maintenant, si on se donne un petit exercice, c'est que dans le prénom, je veux écrire la première lettre en majuscule et ce qui reste, en minuscule, même s'il écrit n'importe comment. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais upper, regardez, et je prends la première lettre. Je prends la première lettre, left de Samir, 1. Et là, je la transforme avec upper, il me l'écrit en majuscule. Et tout ce qui reste, je l'écris en minuscule. Alors, c'est quoi? C'est lower de quoi? De right, de Samir, de l'âme de Samir, moins 1. Il prend de droite jusqu'à l'avant-première lettre et il le transforme en minuscule. Ici. Et ici, j'ai utilisé le upper, le left, le lower et le right. Et le len. Et utiliser pratiquement 4 fonctions. Ça marche? Il y a la fonction aussi substring.
qui, comme le substring de la programmation, mais la seule différence ici, si je mets une petite parenthèse là, il y a l'expression, la starting position, qui est un entier, et le length, qui est un entier, c'est-à-dire, vous lui donnez ici, vous lui donnez la chaîne, la position à partir de laquelle il va lire, et la taille qu'il doit me retourner. Ici, si je veux SA, je fais 1 et 2. Il va me lire à partir de la première position et il me retourne deux caractères. Si je veux IR par exemple, qu'est-ce que je fais? Alors j'ai 1, 2, 3, il doit me lire à partir de la fonction à partir de 3, il doit me retourner 2, si je sélectionne, normalement, il doit me retourner MI. Qu'est-ce que je lui dis? Start position. Alors j'ai 1, 2, 3. 4, il va me lire à partir de la position 4 et il me retourne deux caractères, ça doit me faire l'affaire. J'exécute et il me retourne IR. Alors le substring, il retourne une chaîne à partir d'une autre chaîne. Alors là aussi c'est intéressant, cette fonction-là. Elle est aussi intéressante, qu'est-ce qu'elle fait? Il me retourne, il me remplace là où il le trouve. Il me remplace, par exemple, celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Il va me remplacer la virgule par un espace. J'ai un Samir, virgule, et la jury. Et là, je prends, je lui dis, on l'a regardé, si je fais replace, parenthèse, il me dit l'expression, une var char 1, expression A, l'expression. La chaîne à remplacer et la chaîne par laquelle je vais la remplacer. Il n'est pas très explicite les paramètres. Alors, voilà, il va me prendre cette valeur-là. Regardez ce qu'il m'affiche ici, Samir, espace à Ashore. Le place, elle est très intéressante en fait dans les traitements de données. Vous remplacez tout ce qui est virgule. Alors, si je fais par exemple virgule ici, encore une virgule, voilà, il m'écrit Samir, espace LH et espace avant le H. Finalement, il remplace là où il le trouve. Là, il a rendu le chiffre, round. Par exemple, 12,354, il me retourne 12,12.350 major. Si j'avais 6 ici, il va me faire quoi? Il va me faire 36,0. Voilà, il major. Si vous avez le chiffre ici, il est supérieur à 5. Le 5, je ne sais pas ce qu'il fait. Je vais voir pour le 5. Je crois qu'il le major aussi. Il fait 36. Ça marche. C'est pour arrondir. Alors là, si vous voulez faire des conditionnels avec des cases, si vous voulez faire des conditionnels avec des cases dans une requête SQL, ça aussi c'est intéressant. Alors là, j'ai fait un select de champ. L'essentiel pour moi, c'est ce champ-là. Je vais lui dire si ce champ-là est inférieur à 25, tu affiches soft. Si ce champ il est entre 25 et 60, alors, je fais case when la condition then ce que je vais afficher dans ce champ. When la deuxième condition then ce que j'affiche else, ça veut dire ni l'une ni l'autre, je fais hard. Et là, qu'est-ce que je fais? And file type. Non.
Et là, je fais le forum et ainsi de suite. Si vous avez des conditions sur un champ. Ça aussi, c'est une autre façon de faire. Ici, je fais Select Order ID, région. Ça, c'est un truc que j'ai mis moi-même. Ce n'est pas un champ. Vous pouvez mettre des valeurs directes dans un Select. Région, comme ça. Et là, ça, c'est le champ de la table. S'il est nul, je ne fais pas de région. Else, j'affiche le champ lui-même. Je fais case. Ça, c'est de l'écriture. Ça, c'est du texte. Je veux qu'il m'affiche région sur l'entête. Mais, la valeur qu'il doit prendre, je fais case. When, ça c'est le champ, is null. Then, je fais date. Je fais le pas de région. Else, j'affiche la valeur de la région. Au lieu d'afficher du nul. Au lieu d'afficher nul, dans le champ région, j'affiche pas de région. Alors, j'ai par exemple ici un champ date. Ça aussi, c'est utile. Select, par exemple, order date. Ça, c'est un champ de type date. Case. Si when le mois de la date est inférieur à 3, then j'affiche trim 1, trimestre 1. Si il est inférieur à 6, j'affiche trimestre 2. Bon, ça, c'est à traiter aussi. Je crois qu'il faut faire between. S'il est inférieur ou égal à 9, je fais trimestre 2. Sinon, je fais trimestre 4. Ça marche. Ça, c'est pour faire des cases à l'intérieur d'une requête SQL. Alors, je reprends ce qu'on avait vu. Alors, on avait vu le year d'une date, le month d'une date, le jour d'une date. Et si je veux ajouter une valeur à une date, en mois, c'est le date add, en mois, en jour, en année, en semaine. Ici, c'est pour convertir une date time à une chaîne de caractères. Ici, c'est une façon de faire un petit peu la conditionnelle. Ça veut dire, is null, ici, je fais le champ et là, j'affiche pas de couleur. Ça, c'est la date diff, qui me retourne le nombre de jours entre deux dates. La première date, ici la date initiale, ça c'est l'unité et la date finale. Alors je peux retourner au jour, en année, en semaine, en heure, en minute, en seconde. La fonction char index, c'est pour le traitement de chaînes de caractères. Ça, il me retourne la position d'une chaîne dans une autre. Ici le left, je lui donne la chaîne et je lui donne la taille qui doit me retourner. Le right aussi la même chose. Ici on avait vu le cast de la date qui me retourne une chaîne de caractères. Ici le date name, il me retourne le mois, décembre, janvier, février. Ici le date part, il retourne le mois sous forme d'entier, c'est-à-dire le 12, le mois 12, le mois 11. Ici, c'est la fonction qui me retourne le jour, ici le mois. Ici, c'est une fonction qui me retourne, qui m'enlève l'espace à gauche. Ici, il m'enlève l'espace à droite. Et la combinaison, je peux remplacer Ici, la fonction replicate, il m'écrit deux fois dans ce cas. Je peux dupliquer le champ. La fonction upper, il transforme en majuscule. La fonction lower, il me transforme en minuscule. Cette fonction, j'ai oublié de la présenter, c'est la fonction reverse. Il retourne l'inverse, regardez. Par exemple, un S, il me donne ça là, qui est le nom d'une fille. La fonction substring, ici, je lui donne la chaîne, la position et la taille qu'il doit me retourner. La fonction replace, il me permet de remplacer cette chaîne-là, dans toute cette chaîne-là, cette chaîne par celle-là.
La fonction round, il a rendu le chiffre et en fin de compte, la fonction, les cases dans une requête SQL. Voilà, on avait fait le case ainsi de suite.